present simple. En anglais, on utilise le present simple pour donner une information simple. My father works in a bank. Parler d'une habitude, une action répétée. I get up at 7 every day. Évoquer une vérité générale. Water boils at 100 degrees Celsius. Décrire une pensée, un sentiment, un état. I think you're right. Tom likes his new car. Des horaires. The film starts at 2 p.m. Comment mettons un verbe au present simple? Prenons le verbe get up. Dans une phrase affirmative, cela donne I get up, you get up, he gets up, she gets up, we get up, you get up, they get up. Quelques remarques. À l'oral, le S au verbe à la troisième personne du singulier doit être prononcé. Il y a trois sons possibles. S, z, is. Exemple, he likes, she loves, he watches. À l'écrit, il faut insérer un E avant le S pour les verbes qui se terminent par O, 2S, SH, CH et X. Dans les phrases négatives, le verbe a besoin d'être aidé par l'auxiliaire do, does, à la troisième personne du singulier. I don't get up, you don't get up, he doesn't get up, she doesn't get up, we don't get up, you don't get up, they don't get up. Dans les questions, le verbe a aussi besoin d'être aidé par l'auxiliaire do, does, à la troisième personne du singulier. Do I get up? Do you get up? Does he get up? Does she get up? Do we get up? Do you get up? Do they get up?